Les candidats inscrits au premier tour des épreuves écrites du baccalauréat technique dans le département de Pointe-Noire ont bouclé leur examen. Au centre de l'école conventionnée Saint-Jean-Baptiste, les candidats, dans la sérénité et ont mis à profit les connaissances transmises pendant un peu plus de 9 mois, se sont exprimés au mieux de leur forme. Au sorti de cet examen, le sentiment premier que j'ai en ce moment, c'est que j'ai au moins la ferme assurance que j'ai réussi. Même si ça n'a pas été facile pour certaines épreuves. Mais je garde la foi et je sais qu'avec ce que j'ai fait, je m'en sortirai et que mon nom sera dans la liste des admis. Avec les professeurs, tout s'est bien passé, ils nous ont bien surveillés. Pour les élèves qui n'ont pas étudié chez eux, ils ont trouvé que les surveillants étaient super durs avec eux. Mais pour ceux qui se sont préparés durant toute l'année, ils ont trouvé que c'était super bien, les surveillants étaient plutôt sympas, mais ceux qui n'étudiaient pas à la maison, ils ont vu que les surveillants étaient très sévères avec eux. On a quand même une bonne surveillance. On nous sert quand même aussi en cas des études de savoir le niveau des élèves. Ça se passe bien. Je suis vraiment ravi en fait. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, c'est parce que Dieu a fait grâce de sorte que nous puissions arriver jusqu'à ce jour, quoi. Donc avec la force et la puissance, nous allons au moins pouvoir concurrents pour aller de l'avant, quoi. Les épreuves, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour que nous sommes aujourd'hui, la session a été du 4 jusqu'au... Aujourd'hui, nous sommes le 8, donc les sessions se sont bien passées. Nous avons la force de sorte que nos noms puissent s'afficher le jour de la délibération et puis nous puissions avoir du succès, quoi, et être admis et tout. Le déroulement, l'organisation et les stratégies fonctionnelles dans ce centre ont été évoquées par son responsable Herman Akassa. Sur 326 candidats, je crois qu'il y a à peine 5 absents. Donc le bilan est positif. Et du point de vue la surveillance, le contrôle, je crois que les choses sont bien passées parce qu'on a pris toutes les mesures et les instructions ont été respectées. Mais je crois qu'en tant que responsable du centre, j'ai pris toutes les dispositions. Et chaque matin, il y a d'abord la pédagogie parce que je passais de salle en salle pour interpeller les enfants, conscientiser les enfants. Je crois qu'aujourd'hui, on parle des antivaleurs et c'est à tous les niveaux. Et le message est passé et je crois que j'ai fait mon travail. De ces épreuves écrites du premier tour du baccalauréat technique découleront les candidats les plus pragmatiques qui se seront illustrés par le bon travail, comme admis du coup pour les uns et admissible pour les autres au terme de cette année scolaire 2018-2019.